Bonjour, je suis Alexandre, coach en séduction et relooker pour lifestyleconseil.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment aborder une femme. Vous croisez une jolie femme dans la rue, vous avez envie de l'aborder, mais vous avez peur et vous ne savez pas comment faire. Alors, le premier réflexe, c'est d'y aller quand même. Contrairement à ce que tout le monde pense, les femmes aiment être abordées quand c'est bien fait. Alors, le but, ça va être de ne pas être lourd et insistant. Pour bien faire, déjà, évitez de l'aborder par derrière. Aborder par derrière, c'est s'assurer de lui faire peur et d'être perçu comme un véritable agresseur. Excuse-moi. Deuxième point, n'abordez pas non plus de face. Alors, contrairement à ce qu'on pense, aborder de face, c'est aussi un petit peu intrusif. Généralement, les gens qui nous abordent de face, c'est pour nous faire signer une pétition, enfin quelque chose de lourd. Donc, vous n'êtes pas lourd, vous êtes séduisant, n'abordez pas de face. Excuse-moi. Donc la meilleure solution se situe entre les deux, c'est tout simplement d'aborder de côté, de laisser une distance confortable pour ne pas créer un malaise et engager une conversation naturellement. Excuse-moi. En fait, je viens de te croiser là à l'instant et j'ai vraiment beaucoup aimé ton style. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait que je vienne te parler et ce serait cool si on pouvait se revoir un peu plus tard dans la semaine pour faire connaissance. Enfin, quand vous abordez une femme dans la rue, arrêtez-vous toujours. Pourquoi? Parce que les gens qui poursuivent des femmes dans la rue sont lourds, sont perçus comme des agresseurs et on a envie de s'en débarrasser. Donc, en vous arrêtant, qu'est-ce que vous communiquez? Tout simplement le fait que vous n'êtes pas insistant, vous avez suffisamment confiance en vous pour vous arrêter, parler, être posé et commencer à séduire la femme que vous abordez. Et donc, si jamais elle ne s'arrête pas, ne la poursuivez pas, il y a des chances pour qu'elle commence à s'arrêter au bout de 2 ou 3 pas. Mais si elle ne s'arrête pas du tout, laissez tomber, passez à autre chose. Le râteau est naturel, il faut savoir en rire un petit peu. En appliquant ces quelques principes, vous allez éviter de vous mettre des bâtons dans les roues et multiplier vos chances de réussite. Voilà, maintenant vous savez comment aborder une femme, vous savez quoi faire pour ne pas être lourd.